Bon les guises, bon, aujourd'hui on va faire un poulet au curry. Donc voilà, j'ai tranché mes morceaux de poulet là. Voilà, je prends du haut de cuisse parce que le haut de cuisse c'est un morceau bien tendre, bien juteux, vous voyez. Et puis avec ça là, avec les os, je ferai un bouillon de poulet ultérieurement. Voilà. Donc on va commencer par faire mariner le poulet. Bah pour commencer, naturellement, je vais mettre de la poudre de curry. On en met généreusement dans le poulet. On va mettre un tout petit peu de sauce soja. A pinch of sesame oil. Un peu d'huile. Un peu de curcuma. On va mélanger ça. Voilà, bon, on a bien mélangé ça avec les épices là. Rien que là, les gars, ça sent bon. On va commencer par faire un petit bouillon de poulet avec toutes les carcasses qu'on a là. Donc il y a les os de poulet, j'ai la peau. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous sortez une belle casserole. Ouais, moi, je fais ça grossièrement. Hein. Vraiment. Deux oignons en deux, de toute façon ça se sera filtré à la fin. Hop. On va mettre quelques étoiles, quelques anis étoilés, voilà, ça donne du bon parfum aussi. Point trop d'en faux, encore une fois, parce que ça donne beaucoup de goût. Voilà, on va en mettre deux et quelques éclats, quelques gousses d'ail, attendez. Voilà, et quelques tranches de gingembre. Je vous explique ce qu'on fait avec ça. Donc les guys, vous m'écoutez là. Voilà, je reprends, on fait bien fumer tout ça avec les oignons. Voilà. Voilà, vous faites griller ça. On va rajouter de l'eau. On va mettre les os de poulet. Ça, on perd rien. Vous voyez, j'ai acheté 1 kg de poulet pour 3,40 €. C'est du super poulet élevé en batterie, nourri par leurs propres excréments. J'ai pas précisé, mais c'est vraiment du poulet. Vous allez mourir tôt hein, si vous en mangez trop souvent. Mais bon, quand on est pauvre, on est pauvre. Hein. On fait comme on peut. Voilà, voilà. On va laisser ça tranquillement cuire, popoter pendant plusieurs heures. On va se retrouver dans quelques instants pour faire le curry, hein, forcément. Ça va se passer avec une pâte de curry, red curry paste, voilà, je l'ai acheté à Tante Frère aussi. Je pense que vous connaissez les guys. Voilà, vous me faites ça tranquillement. Voilà, sans trop agresser la pâte de curry, donc vous me laissez le feu un petit peu là. Vous me faites à feu moyen. Un chouille d'eau, vraiment un chouille. Enfin, ça aide la pâte à bien se délayer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. À cette étape, les gars, vous mettez le poulet, vous me le mettez. On laisse comme ça quelques minutes. Voilà, vous m'augmentez un petit peu le feu. Il faut bien que le poulet et le curry suent, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, j'ai pas précisé, mais tabernac, le bouillon là. Ah, c'est une catastrophe ça, il faut l'écumer un petit peu. Hein. Bon, j'ai un peu écumé, voilà, avec une passoire et une louche. Donc voilà, dès que vous voyez que ça commence à
sentir le roussi et qu'il y a plein de trucs pourris qui se met au-dessus, là, vous m'écumez ça. Ah bah oui. Voilà, au bout de quelques minutes, on va mettre le lait de coco. J'ai 500 ml pour 50 g de pâte de curry à peu près. Alors ici j'ai des feuilles de citron congelées. Ça donne beaucoup de goût. Hein. Franchement, je vous conseille. On les couper à l'arrache là en deux là. Hop. Voilà, il faut les couper parce que ça libère un peu plus les arômes. Donc voilà, alors, on va laisser popoter ça tranquillement. Bon les gars, ça fait une quinzaine de minutes que ça popote tranquillement. À ce stade de la recette, on va rajouter un tout petit peu de sucre. La recette conseille du sucre de palme. Voilà. J'essaie de faire le point. Voilà, je vais mettre deux morceaux comme ça là, tranquillement. Hop. Voilà. Ça va permettre d'adoucir pour les palais fragiles. On va ajouter un peu de soja aussi. À ce stade, vous pouvez mettre des légumes si vous en avez, des courgettes ou même des pommes de terre. Hein. Vraiment ce qui vous, des poivrons par exemple, du piment frais aussi. Et puis voilà. Quant au bouillon, il mijote tranquillement. Donc lui, voilà, faut être patient. D'ici deux petites heures, ce sera bon. Comment il s'appelle? Olizar. Comment t'as dit? Je sais plus. Tu sais plus comment il s'appelle lui? Oui, je regarde plus Pokémon. Mais lui, ce que je connais, c'est Pikachu. Ah oui? Ça, c'est ton jus d'orange. Ça, c'est ton. T'as ton pote? Hey, Mario! Comme ça.